Hello mes petits blinis à la compotée d'huîtres, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une sélection de lectures qui sentent bon Noël, mais plus globalement l'hiver de façon générale, parce que l'année dernière je m'étais prêtée à l'exercice et déjà j'avais adoré, mais en plus en me repenchant sur mes bibliothèques je me suis rendu compte qu'il y avait des titres qui étaient passés à la trappe et d'autres que j'ai lus depuis qui pourraient parfaitement coller avec l'ambiance, avec la saison, et je me suis dit que c'était dommage de garder ça pour moi. Donc c'est pleine d'entrain et d'hormones que je vous propose qu'on attaque ces quelques recommandations hivernales sans plus tarder. On s'y colle ? On ouvre le bal avec une lecture jeunesse que vous avez pu apercevoir sur la chaîne l'an passé à l'occasion d'un vlog de Noël que je vous remettrai juste ici ainsi qu'en barre d'infos si vous voulez vous faire une petite séance rattrapage. Il s'agit de Bienvenue à Winter House, écrit par Ben Gutterson et publié aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Et dans cette histoire, on va suivre Elizabeth, une petite fille qui va être expédiée à Winter House Hotel, un immense hôtel paumé dans une chaîne montagneuse dans un merveilleux hiver parce que ses parents ont décidé de partir en vacances, fêter Noël sans elle, parce que faut pas déconner, on va pas dépenser de l'argent pour toi. Du coup, il lui laisse un mot épinglé sur les portes closes, avec son petit sac et quelques affaires sur le pas de la porte, de quoi s'acheter un ticket de bus, et 2-3 indications pour arriver à bon port. Donc, ce début de voyage, de séjour, ne commence pas sous les meilleurs auspices, mais quand la jeune fille va arriver sur place, elle va découvrir un endroit charmant dans lequel ses seules préoccupations vont être de faire de la luge, de boire des chocolats chauds, de participer à un puzzle géant, le tout en visitant la bibliothèque immense de l'hôtel, tout en se faisant un ami qui a les mêmes centres d'intérêt qu'elle, à savoir la lecture et les jeux de mots, et le tout avec un petit mystère surnaturel qui plane. Donc autant vous dire qu'Elisabeth ne va pas avoir le temps de s'ennuyer, et nous non plus, parce que même si j'ai pas été totalement convaincue par ce premier tome, c'est pas un coup de cœur incommensurable que je vous recommande les yeux fermés. Par contre, en termes d'ambiance, on a tout ce qu'il faut là où il faut. On a des sorties en pleine nature, on a des activités réconfortantes, on a des livres, des clins d'œil littéraires, on a des petits mystères, un huis clos, ça sent bon, le chocolat chaud, la cannelle, la nature. Et en même temps, c'est très enveloppant, il y a des feux ronflants dans la cheminée, il y a des édredons bien épais dans lesquels on se pelotonne. Bref, il y a quand même énormément de très bonnes choses. Même si à mon sens, le mystère manquait un petit peu d'envergure, ce n'est qu'un premier tome, il y en a 2 autres derrière, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire de cet hiver. Donc franchement, ça reste quand même une très très bonne recommandation, et si ce que je vous ai dit a piqué votre curiosité ou vous avez envie de vous plonger dans cette ambiance, franchement allez-y, il y a moyen que vous passiez un excellent moment. Plus loufoque, plus fantasque, plus local et aussi totalement indispensable, je ne pouvais pas ne pas mentionner Falalalala d'Émilie Chazeran, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime, parce que je l'ai oublié dans ma liste de l'an passé et que sitôt la vidéo montée, je me suis demandé comment cette merveilleuse histoire, comment ce roman de Noël absolument parfait avait pu passer à la trappe, et c'est absolument impardonnable et je vous explique tout de suite pourquoi. Dans ce roman, l'autrice nous plonge à Strasbourg au sein de la famille Tannenbaum qui tient un village de Noël grandeur nature tout en proposant des pâtisseries de saison à la vente aux visiteurs. Donc déjà vous avez l'ambiance village de Noël, famille complètement décalée, pâtisserie, roulée à la cannelle, etc., etc. Et la particularité de cette famille, c'est que la plupart des membres sont de petite taille, sauf Richard, 19 ans, qui se retrouve au milieu de toutes ses tantes, de toutes ses cousines, qui sont toutes petites, et lui, c'est un grand échalas qui sait pas du tout quoi faire de son corps, qui sait pas quoi faire au milieu de cette famille, qui se retrouve un peu paumé, et qui va quand même essayer de soutenir l'une de ses cousines qui traverse un moment absolument pas facile, et c'est le démarrage d'un récit totalement fantasque et loufoque, une émouvante plongée au sein de ce microcosme familial qui fleure bon Noël, qui fleure bon l'entraide, qui fleure bon l'amour, un petit peu les secrets de famille aussi, faut bien le reconnaître, mais tous les ingrédients sont réunis pour passer un moment à la fois tendre, à la fois hilarant, et en même temps, pas si léger que ça, parce qu'il y a quand même des thématiques assez lourdes qui sont
tricoter l'air de rien entre deux bonnes vannes. Donc si vous ne connaissez pas La Plume d'Émilie Chazeran, c'est des jeux de mots, des pavés dans la mare, c'est vraiment délectable. J'aime tous ses romans, tous ceux qui ont eu l'occasion de me passer sous la main sont des réussites à chaque fois. Je trouve qu'elle a une plume qui est mais tellement délectable qu'en plus, trempé comme ça dans la sauce Noël, ça donne un combo juste délicieux dont vous ne pourrez pas vous passer une fois que vous l'aurez essayé. Je l'avais d'ailleurs mentionné dans une de mes vidéos sur mes recommandations de lecture doudou favorite de tous les temps. Pareil, je vous la remettrai là-haut parce que si jamais vous voulez encore en savoir plus ou avoir d'autres idées, je pense que vous trouverez votre bonheur sans hésiter. Et après cette immersion à Strasbourg dans un village de Noël familial, je vous propose une petite romance de bureau parfaite pour le nouvel an et qui sent bon le bug de l'an 2000 avec Attachment de Rainbow Rowell. Dans ce roman, l'autrice va nous plonger en 1999, quelques jours à peine avant le passage à la nouvelle année, au nouveau millénaire et cette fameuse menace du bug de l'an 2000, et nous propose de suivre tout ça à travers les yeux de Lincoln, qui est un employé de l'ombre puisqu'il est informaticien et que son job est assez particulier dans la mesure où il est chargé de surveiller les correspondances entre les différents employés, c'est-à-dire qu'il a un système qui lui permet, par différentes alertes, par différents mots-clés, de voir arriver les emails de toute l'entreprise qui peuvent potentiellement poser problème. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver à épier au début, malgré lui et avec de plus en plus d'intérêt, la correspondance entre Jennifer et Beth, deux amis qui s'entendent extrêmement bien et qui bossent ensemble au sein de cette boîte. Et petit à petit, Lincoln va commencer à éprouver des sentiments plus que réels et sincères pour l'une des deux femmes. Et c'est un roman épistolaire slash romance contemporaine qui fait chaud au cœur, qui est vraiment adorable. Pas exempt de défauts parce que vu le postulat de départ, il peut y avoir quelques petites tensions un peu problématiques de ce rapport un peu biaisé entre quelqu'un qui fait un peu de l'espionnage industriel, ces femmes qui se livrent, qui se confient de façon parfois très très émouvante sans savoir que quelqu'un a accès à leur confidence. Et voilà, il y a un, comment dire, il y a un rapport de force et une disparité dans les informations partagées entre les différents protagonistes qui peut prêter parfois à grincer des dents parce que c'est pas forcément les tropes les plus modernes du monde, mais je trouve que ça fonctionne hyper bien. Lincoln est très attachant, ce duo de femmes aussi, et j'ai été totalement enveloppée, emportée par cette romance contemporaine qui mérite sincèrement d'être connue. Et à l'approche du nouvel an, ça fait pas de mal par où ça passe. Voici les petites romances au bureau toutes mignonnes, c'est pas du tout de votre tasse de thé, et que vous avez envie de magie, de fantaisie, de complot politique, d'Amazon en quête d'identité, le tout dans une ville entourée de neige, je vous propose sans hésiter l'excellente, l'extraordinaire duologie de La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et publié aux éditions Hachette. Parce que là-dedans, vous allez trouver absolument tout ce que vous cherchez. Une plume française magnifique, un univers hyper recherché, un système de magie très intéressant, une cité hyper borée, construite avec tellement de précision et tellement de soin et tellement d'imagination que sincèrement, vous ne pouvez que la visualiser, vous ne pouvez que la ressentir, vous ne pouvez que vibrer pour elle, pour ses différents étages, puisqu'elle est nivelée en fonction de vos classes sociales. Alors bien sûr, ça paraît assez convenu dit comme ça, les classes les moins aisées sont en bas et les têtes pensantes dirigeantes plutôt bien lotis se retrouve tout en haut, sauf que tout un système filaire de magouilles va commencer à éclater et à se morceler, à se fissurer sous vos yeux, et je me suis tout simplement délectée de cet univers. J'ai adoré les personnages de Lastianax et de Arca, qui sont l'un un apprenti mage qui a fini sa formation et qui compte devenir une figure politique importante, sauf que son maître va être assassiné le jour de sa remise de diplôme, en gros, donc ça la fout mal. Et à côté de ça, vous avez Arca, une petite fille de 12 ans qui va débarquer clandestinement dans la cité en quête de son père. Et les deux vont finir par se rencontrer, par se télescoper et se percuter, et je ne vous en dis pas plus, mais sincèrement, c'est un combo excellent entre intrigue politique, personnages bien campés et univers hyper bien pensé, le tout sous un dôme magique qui protège la cité des vents, des intempéries, parce qu'en gros, elle est posée en plein désert de glace,
Et les habitants se baladent en toge tranquille ou bilou parce que la magie les empêche de ressentir le froid et leur permet de cultiver et de pas mourir de faim dans ce microcosme. Mais vous pensez bien que ce fragile équilibre étant peut-être un peu mis à mal, ça va pas être aussi simple. Et cette duologie est excellente. Si vous ne connaissez pas, foncez, c'est parfait pour l'hiver. Vous avez que 2 tomes, donc vous vous embarquez pas non plus pour des années de lecture et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'être découvert. Et puisqu'on parle de drame, de mystère, le tout dans un endroit paumé dans la nature, entouré par la neige, la transition est toute trouvée. Et si je vous dis thriller, empoisonnement massif au cyanure de potassium, 21 victimes, drame familial et retour dans le passé, vous me répondez. Le bateau de Thésée, écrit par Toshiya Higashimoto et publié aux éditions Vega Dupuis. Bon, et si malgré la précision quasi chirurgicale de ces mots-clés, c'est pas la réponse qui vous venait en tête, c'est sans doute que vous ne connaissez pas cette série. Donc permettez-moi s'il vous plaît d'éclairer votre lanterne parce que c'est vraiment un thriller drame familial que j'adore, alors que pourtant c'est pas du tout mon style de prédilection. Mais dans cette histoire, on va suivre Shin, un jeune trentenaire qui vient tout juste d'être papa puisque sa femme vient littéralement de donner naissance à leur premier enfant. Et l'arrivée au monde de ce bébé va replonger Shin dans son passé familial très douloureux parce que il y a des années de ça, quand il était un petit garçon, son père a été jugé, condamné et emprisonné pour le meurtre massif de 21 personnes au cyanure de potassium dans une école. Et il a jamais compris pourquoi. Sa sœur, lui et sa mère ont dû changer d'identité, déménager pour essayer d'échapper à ce fait divers absolument sordide qui a marqué les esprits de bon nombre de personnes. À raison, parce qu'on n'est pas quand même sur la petite anecdote du tonton raciste ou fasciste qu'on cache derrière les fagots. Non, non, il s'agit quand même d'un meurtre de masse dans des conditions absolument sordides. Sauf que Shin avait toujours plus ou moins accepter cette évidence, cet état de fait, sans trop se poser de questions, sauf que en grandissant et en devenant père lui-même, il a besoin et envie de comprendre en fait le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a motivé ce geste, pourquoi son père s'est rendu coupable d'un acte aussi affreux, et donc il va décider de retourner dans son village natal pour essayer de faire un petit peu la lumière sur cette histoire, et il va se retrouver propulsé en pleine tempête de neige dans une espèce de boucle temporelle dans le passé, quelques semaines, quelques mois juste avant le drame, et il va avoir l'occasion du coup d'apprendre à connaître ce père mais aussi cette famille qu'il n'a que très peu connue et essayer de faire la lumière sur cet élément plus que trouble de son histoire personnelle. Non, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que son père, à la base, il était policier. Donc on devient en général policier parce qu'on a envie de protéger les gens, pas de les tuer massivement. Donc tout ça fait que le jeune homme cogite beaucoup, et c'est surtout tout ça qui fait que nous, en tant que lecteurs et lectrices, on se régale d'être dans ce huis clos, dans ce petit village de montagne coincé par la neige, avec ce drame qu'on sait inévitable qui leur pend au nez, et on essaie de comprendre, et on est là en train de grelotter dans nos godasses, en train de nous dire mais quand est-ce que ça va arriver, pourquoi, comment, qui, que, quoi, et puis à côté de ça, il y a des trucs bizarres qui se passent dans le village avec des petites filles qui disparaissent, avec des espèces de médicaments qui circulent. Bref, je ne vous en dis pas plus volontairement, mais c'est une excellente série, c'est hyper bien mené, c'est hyper addictif, hyper haletant, c'est très 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 bien dessiné, très efficace, donc si jamais ça peut vous tenter, lancez-vous cet hiver, vous allez grelotter à la fois par les dessins bourrés de neige et par cette histoire qui va vous mener par le bout du nez. Bon, ici, dans tout ce que je viens de vous dire, le seul élément qui vous tente un peu, c'est cet aspect de boucle temporelle et de retour dans le passé, mais que vous voulez absolument pas avoir peur ou voir de meurtres sordides, je vous recommande une petite romance de Noël que j'ai adoré déguster l'année dernière. Il s'agit de Un Noël sans fin, écrit par le duo Christina Loren et publié aux éditions Hugo Roman. Là, ce sera l'occasion d'être plongée aux côtés de notre héroïne, Maïlyn, qui se rend dans l'Utah, dans le chalet des amis de ses parents pour fêter Noël exactement de la même façon qu'elle le fait depuis qu'elle est toute petite, c'est-à-dire que ses parents, son frère, les amis de la famille et leurs enfants se retrouvent tous dans ce chalet pour profiter à fond des fêtes de Noël, pour faire de la luge, pour sortir dans leur restaurant préféré, pour faire les activités qu'ils adorent, décorer le sapin ensemble, etc. Enfin bon bref, il y a tout un tas de traditions familiales qui sont
hyper instaurée, hyper appréciée et que Maïline suit presque religieusement depuis qu'elle est gamine. Et elle va retourner dans ce chalet pour la dernière fois puisque les amis de la famille ont décidé de le vendre et que la jeune femme est un peu chamboulée par ces changements qui s'annoncent. Surtout que l'un de ses deux amis d'enfance lui plaît plus que de raison et que ça devient de plus en plus compliqué de le cacher au fur et à mesure des années. Donc tout ça, mis bout à bout, fait beaucoup, mais pour ne rien arranger, après des vacances qui vont pas du tout se dérouler comme prévu, Maïline, ses parents et son frère vont avoir un accident de voiture mortel sur le chemin du retour, sauf que au lieu de mourir, retour à la case départ pile au moment où toute la petite famille débarque dans le chalet. Cette deuxième chance, la jeune fille va bien évidemment la saisir pour éviter à sa famille et à elle-même une mort absolument sordide, tout en lui permettant aussi peut-être d'influer sur la catastrophe qu'ont été ses vacances de bout en bout, et peut-être qu'il lui faudra plusieurs tentatives, plusieurs essais avant de mettre le doigt sur ce qui a déclenché cet engrenage. Et c'est une romance de Noël, et je ne vous en dis pas plus, mais chalet familial dans l'Utah, entouré de neige, avec des traditions familiales de cuisine, de décoration, enfin bon bref, vous avez vraiment tous les clichés américains par excellence qui tourne autour des fêtes de fin d'année, mais ça fonctionne hyper bien. Moi j'ai beaucoup aimé cette héroïne, j'ai beaucoup aimé ce cadre, j'ai apprécié cette histoire, j'ai pas d'autres arguments. Si ce n'est que si vous aimez les romances de Noël, si vous aimez le travail de ces autrices habituellement, vous ne serez pas déçus, c'est franchement une valeur sûre. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, mais excellent moment en perspective. Avec la prochaine recommandation, on reste dans le prisme Noël, mais on change quand même d'horizon parce qu'on passe à de la jeunesse, on passe à de l'illustré, et plus particulièrement à un album de Cherche et Trouve absolument magistral que vous devez impérativement vous procurer si c'est votre truc. Il s'agit de À la recherche du Père Noël, signé par Loïc Clément et Anne Montel, publié aux éditions Little Urban, et qui est un indispensable qui ne rentrera nulle part dans vos bibliothèques, je vous le dis tout de suite. Ça fait un an que je l'ai, ça fait un an qui dépasse allègrement de mes Billy, mais c'est pas grave, on lui pardonne, parce que tout ce que fait ce duo scénariste-illustratrice sont à chaque fois des petits chefs-d'œuvre, que ce soit leur première lecture, leurs albums, leurs BD, adultes, jeunesse, ados, bref, à chaque fois c'est une franche réussite, un franc succès, et ce Cherche-et-Trouve ne fait pas exception à la règle, puisque à travers d'immenses doubles pages, vous allez être invité à chercher ce petit Père Noël dans des scènes différentes de l'atelier du Père Noël au pôle Nord. Et laissez-moi vous dire que c'est quand même un sacré travail d'orfèvre. Toutes les planches ont été réalisées à la main, à l'aquarelle par Anne Montel. Donc déjà, rien que ça, je salue la prouesse technique. Mais en plus, on n'a pas seulement un simple et bête cherche-trouve, on a aussi un fil narratif tricoté par Loïc Clément pour avoir quand même un fil rouge, une évolution dans l'histoire, pour avoir des scènes qui se suivent, et j'ai été totalement charmée et emballée, et je pense que vous le serez tout autant, et peut-être que si vous avez des cadeaux à faire aux plus jeunes, bah ça peut être une très 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 bonne piste. Sincèrement, À la recherche du Père Noël, c'est un album indispensable pour tous les amoureux d'illustration et de Noël, à avoir bien au chaud dans sa bibliothèque. Et petite information bonus au passage, si jamais vous avez l'occasion de vous le procurer, il existe une version puzzle 200 pièces avec de gros morceaux comme ça, qui vous permettra bah, d'assembler une planche tirée de l'album et de pouvoir chercher le Père Noël carrément sur un support un peu plus en dur, tout en faisant une activité en famille avec un visuel absolument magnifique. Donc si jamais, c'est encore une fois une petite recommandation de Derrière les fagots qui vient du cœur. J'ai également pensé aux lecteurs et lectrices qui adore la BD, qui adore l'illustrer, mais qui cherche quelque chose d'un petit peu moins jeunesse, avec une recommandation qui pour le coup est un peu transmédia, parce que vous pouvez trouver à la fois des BD, à la fois des versions romans, mais aussi une série sur Netflix que je ne peux que trop chaudement vous inviter à déguster, parce que c'est un petit chef-d'œuvre, et il s'agit de la série Hilda, écrit par Luc Pearson, publié aux éditions Casterman. Je crois qu'il y a 5 tomes qui sont disponibles en français pour la version bande dessinée. Et dans cette histoire, on va suivre Hilda, une petite fille qui vit avec sa maman dans un chalet paumé en pleine montagne et qui, en se baladant, interagit avec des trolls, avec des lutins de la forêt, avec des espèces de chiens nuages, des dragons et tout un tas d'autres créatures tirées du folklore plutôt nordique. Le tout avec des paysages de nature
absolument magnifique, de l'humour, des aventures, en veux-tu, en voilà, une relation avec sa maman qui est très intéressante à suivre, des personnages tous plus attachants, colorés et barrés les uns que les autres. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour une super série, que ce soit en version BD ou en version animée. Tout passe, j'ai tout relu, tout revu un nombre incalculable de fois. Je suis une grande inconditionnelle de ce personnage, de cet univers. Donc si jamais vous ne connaissez pas, faites-vous le cadeau de découvrir Hilda cet hiver. Vous ne regretterez pas, c'est sûr et certain. Et autre cadeau de saison à se faire, un voyage au sein de bibliothèques, le tout avec des personnages qui sont capables d'interagir avec leur roman préféré. Je vous parle bien sûr de Page et compagnie, écrit par Anna James et dont le premier tome a été traduit aux éditions Fleurus. Mon amour inconditionnel pour ce roman, je voulais tartiner allègrement en long, en large et en travers dans mon vlog dédié aux livres qui parlent de livres, que je vous remettrai quelque part si vous voulez vous faire une séance de rattrapage à tête reposée. Mais en gros, dans cette histoire, on suit Mathilda alias Tilly, qui est une petite fille qui vit avec ses grands-parents à Page et compagnie, la librairie familiale, suite à la disparition inopinée de sa maman, sans le moindre mot, sans la moindre explication, sans la moindre piste pour savoir ce qu'il est advenu d'elle il y a des années. Donc du coup, elle a grandi avec ses grands-parents au sein de cette librairie, et un jour, elle va commencer doucement à percevoir des choses un peu bizarres dans la librairie. Elle voit une femme habillée étrangement qui est en train de discuter avec sa grand-mère, mais qui lui rappelle étrangement Elizabeth Bennet. Et puis elle va croiser au détour d'un rayon un personnage qui n'est pas sans rappeler Sherlock Holmes. Et puis un beau jour, Anne de la maison au pignon vert va carrément débarquer devant elle et commencer à discuter. Et c'est là que Tilly va mettre le doigt dans l'engrenage d'un monde qui lui était jusqu'alors totalement inconnu, avec un système de magie hyper inventif dont je ne vous dirai rien. Mais en gros, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est une ode à l'amour des livres, au pouvoir des histoires, au pouvoir des romans. Et si jamais ben, vous êtes amoureux, amoureuse de la lecture, je pense que ça ne peut que vous parler. Il y a plein de clins d'œil et de références qui sont hyper savoureux, le tout avec des sessions chocolat chaud, mais aussi lecture en famille dans un vieux canapé défoncé au coin du feu, le tout avec une bonne dose de mystère, un méchant, toute une organisation pour régir un petit peu les voyages dans ces mondes littéraires. Donc bien sûr que tout ça, ce sont des ingrédients qui seront parfaits pour cet hiver, mais le tome 2 de cette série, qui compte 4 volumes au total, est particulièrement indiqué pour la période puisqu'il se passe à Paris à Noël. Et c'est vraiment l'archétype de Paris sous la neige, avec les petites guirlandes, avec les décorations, avec les pâtisseries. C'est plein de clichés de ce côté-là, mais sincèrement, c'est toujours une aventure, un régal, avec toute une réflexion sur les contes de fées. Bref, si tout ce que je viens de vous en dire a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à vous faire ce plaisir monstrueux de découvrir les aventures de Tilly cet hiver. Et puisqu'on évoquait il y a un instant les références littéraires, je ne pouvais pas clôturer cette vidéo sans mentionner un classique qui pour moi hume bon Noël et la famille et les fêtes de fin d'année et l'esprit d'hiver, puisque la première scène du roman, qui est assez mythique, s'ouvre sur une matinée de Noël. Et il s'agit des 4 filles du Dr March, écrit par Louisa May Alcott, que j'ai en physique dans une très très mignonne petite édition anglaise, mais que j'ai découverte en version audio sur l'application Nextory, et qui a été un moment délectable d'écoute. Donc si jamais le cœur vous en dit, je vous invite très chaleureusement à vous rendre sur l'application pour l'écouter, parce que ça vaut le détour et c'est une très jolie façon de s'immerger dans cette belle histoire de famille. Dois-je vous faire l'affront d'un résumé de ce classique, puisqu'il a été adapté 1001 fois en film, donc je pense que tout le monde l'a vu au moins, ou entendu, ou voilà, il a été confronté d'une façon ou d'une autre. Mais on va suivre le quotidien sur plusieurs longues années des 4 filles March, donc à savoir Meg, Jo, Beth et Amy, dans toutes les turpitudes de l'existence. Chacune est très différente et on va suivre leur évolution au fil de l'eau. C'est un récit très tendre, très émouvant, qui a cette touche, qui a cette ambiance, cette patte très vintage, très patinée, où on prend garde de s'intéresser au quotidien, aux petits détails de la vie,
On s'intéresse beaucoup à la nourriture, on s'intéresse au théâtre, aux lectures, aux travaux de couture, à chaque petit élément qui offre à la vie sa saveur, son sel, sa particularité. Et j'aime cette attention portée aux détails et ce soin de la plume d'essayer de rendre tangible et presque incarné chaque petit élément du quotidien. C'est ce que j'aime autant dans Anne et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce roman et dans ce livre audio qui m'a autant séduite. Et pour toutes ces raisons, pour cette belle fresque familiale, pour cette ambiance si douce, si enveloppante, je ne peux que vous recommander Les 4 filles du Dr March pour cet hiver. Si vous n'avez jamais lu ce grand classique, ça peut être l'occasion et sincèrement, c'est un très très beau moment à s'offrir. Et c'est sur ces bonnes paroles que s'achève cette vidéo de recommandation hivernale session 2022. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être piocher quelques sources d'inspiration, que ça vous aura donné envie de donner leur chance à des bouquins dont vous aviez entendu parler mais qui vous tentaient pas spécialement, ou voire même qui étaient totalement inconnus au bataillon. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir discuter avec moi dans les commentaires pour me livrer quelles sont vos recommandations pour l'hiver, quels sont les livres que vous adorez lire à cette période de l'année. N'hésitez pas, ça fera vraiment une boîte à outils où tout le monde pourra venir piocher allègrement. En tout cas, c'est l'objectif, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Encore merci à vous d'être là, de prendre le temps de regarder ces vidéos, de les commenter, de les liker, de les partager. Votre soutien sans faille depuis toutes ces années me fait toujours autant plaisir et chaud au cœur, donc merci infiniment. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!